Bonjour tout le monde, ici The Rock et je suis officiellement un des gars les plus mêlés et je me dois de vous donner des excuses euh, de donner des excuses aussi à EA Sport NHL, même s'ils sont pas parfaits, je les ai arrachés lors du dernier épisode de Pro alors que je suis effectivement blessé. Vous avez été nombreux, nombreux à me dire The Rock! The Rock, t'étais blessé, t'étais blessé! Euh, C'est pour ça que tu pas joué la fin de la game. C'est pour ça que tu as une blessure. Je, dans mon excès de colère, je n'avais pas vu le petit encadré blessure. Pas de message pendant le match, pas de rien, mais il y avait le petit onglet statut de l'effectif a oh, une blessure. Donc, effectivement, euh, The Rock, The Rock, <laughs> Thompson, pardon, s'est blessé. Thomas Roxunt, j'ai dit Thompson, calvaire. Oh, ça va mal. Thomas Roxon s'est blessé lors du dernier match. Euh, donc, on a subi une blessure, on ne sait pas pour combien de temps. La saison régulière, elle est terminée. Euh, donc, Thomas Roxon, vous voyez le Terry, Zegers, Bailey, et comme joueur retiré, on a Thomas Roxon et Lacombe qui sont blessés. Donc, on n'a pas plus de nouvelles que ça. On va faire le tour des stats avant de commencer. Je vous oublie pas pour le biopro Pro Gardien de But, ça s'en vient. Faut juste que je prenne le temps de pop pop m'échauffer un peu, évidemment. Euh, QG des stats. <laughs> Zegris, 95 points. Honnêtement, 95 points pour Trevor Zegris. C'est solide. 33 buts, 62 pas, c'est vraiment, mais vraiment une belle saison pour Trevor Zegris. Terry 78 en 78. Bailey 60 en 82. C'est quand même bon. Et Thomas Roxon 57. C'est pas wow, incroyable, mais c'est bien mieux que l'an passé avec un plus 11 et surtout 35 buts. Donc Thomas Roxon, 35 buts. C'est le meilleur marqueur des Ducks d'Anaheim avec deux matchs en moins de jouer Côté défenseur, Drysdale. Fowler, Dermot, Ellison, Lacombe, Mintikyov, qui n'a pas joué bien, bien. Euh, donc voilà, et pour les gardiens de but, John Gibson, Gage Alexander, dans cet univers-là, Gage Alexander est, pas, est incroyable, et Kel Klang, qui a joué quelques parties. Donc les Ducks ont manqué les séries de peu, mais première saison, on les a manquées facilement. Deuxième saison, ça a été beaucoup plus serré, et là, on se dirige vers la troisième saison, donc je vous transporte au tout premier match de la saison régulière de cette troisième saison pour Thomas Roxon. On se transporte et on verra s'il y a de quoi qui arrive entre temps, je vous arrête. Ou sinon, ben, premier match de cette troisième saison. Les journalistes qui euh, vont, vont me jaser ça, c'est triste que tu aies un peu changé d'attitude en, en cours d'année. Que s'est-il passé Quoi Donc, on me reproche mon attitude avec les Dogs la on a perdu des abonnés, on a perdu de l'argent. Euh, pas, euh, pas super bon le, ça comme, euh, comme entrevue de fin de saison. On atteint, on est le meilleur marqueur, on a atteint un plateau personnel côté points, mais on a une attitude de merde. Et les Maple Leafs de Toronto ont gagné la Coupe cette année. Bon, ça y est. Premier défi en cette troisième saison. On doit porter notre sympathie d'équipe à 7500 à la fin de la saison. On va voir si ça nous donne un X-Factors de plus. Donc, Thomas Roxon est déjà rendu à 25 ans. On le sait avec le foot, -bug, euh, le foot bug la personnalisation. Il va falloir faire attention à ça avec notre Biopro de gardien de but. Donc, 25 ans, on est en mode pré-saison. Évidemment, on ne jouera aucun match de pré-saison. Notre avenir avec les Dogs d'Alham, elle est assurée. quatre 4 victoires, 3 défaites en prolongation. Et le premier match est contre les Highlanders de New York. Thomas Roxon est à 78 overall. Je vous montre les, les lignes et les stats de Thomas Roxon. Donc, Troy Terry, Trevor, Zegris à 91 overall avec la belle saison qu'il a eu l'an passé, c'était sûr. Et Thomas Roxon, 78. Euh, un un franc-tireur qui a un bon lancer, mais pas qui casse tout. Pas vraiment bon. Il est bon un peu partout. C'est pas parfait. 78 overall, ça fait dur. McTavish, Strom et O'Connor, Wood, Morgan Geeky, Josh Bailey, McBain, Frederick et Nestor Honnêtement, je trouve qu'on a une pas si mal équipe. Pedersen, Drysdale, Lacombe, Fowler, Mata, Mint qui sont là. Donc, enfin, on le fait jouer. Défensivement, ça fait dur un peu. Gardien de but, toujours Gibson et Lucas Dastol. Donc, on a des bons joueurs côté gardien. Défensivement, ça, ça va. Uh, Roxon, on a-tu des retirés? Travis Dermott qui est retiré. C'est pas une équipe parfaite. Est-ce qu'il y a moyen que j'ai des stats d'aller voir l'équipe HL ou pas encore? Parce que la plupart du temps, on peut peut-être aller voir l'équipe HL si on joue des matchs. Non, on va prendre le temps dans cet épisode d'aller voir l'équipe HL pour voir les stats. Maintenant, est-ce qu'on a du cash? On a 900 000 de cash. On va essayer d'acheter certains trucs On a déjà acheté. Une voiture de luxe, donc côté voiture, on est correct euh, Fonds insuffisant Ça c'est quoi? Pendant 180 jours J'aimerais ça des trucs permanents y a pas des trucs, c'est tout, tout des trucs euh, Qui est sympathie de marque Sympathie d'héritage Point X-Factors Pour être pas pire, ça, des meubles euh, Force précision du tir frappé Force équilibre Force puissance de tir, frappé, tir frappé tir du poignet, ok 400 000, on a, on a pas tant que ça je ne sais pas là, ok. Sympathie d'héritage, résistance force, moins de vitesse. veux des trucs qui toffent pour. Toujours abonner réseau, sympathie d'équipe, sympathie de marque, 300 000. Ça pourrait être pas pire, ça. Surtout que ça va nous faire gagner des X-Factors. Ok, on va y aller avec ça. Acheter. Excellent. On continue. Finance, on n'a pas de fonds. Euh, point X-Factors. Direction héritage, non. Toujours pas de fonds. On ne peut pas faire de dons non plus. Euh, je pense qu'on arrive pas mal avant la fin. Là. 5 matchs, 10 matchs, 180. 90 jours, 90 jours, 95 matchs. Et légendaire, évidemment, on n'a pas de, de points pour ça. Euh, ok. On va y aller avec peut-être pas un autre char. Peut-être 180 jours. Non. Est-ce qu'on a On n'a pas assez fonds insuffisants pour les meubles. Meuble 1. Résistance, sympathie, 5 matchs, 10 matchs. Je veux de quoi qui Ok. Qu salle de sport, salle moyenne. Grande salle de sport. Let's go. On l'achète. Plus un de force, plus un de tir frappé. Et plus deux de puissance. Tir du poignet. Il nous reste 216 000. On n'a pas vraiment d'autres achats à faire. Donc, datit pour les achats. Arbre des compétences, on a deux points à ajouter à, à Thomas Roxon. Est-ce qu'on y va encore avec le lancer? Ou est-ce qu'on y va peut-être plus avec... Contrôle de rondelle, ça serait pas pire. Passe, on est correct. Maille on est correct. On va y aller avec contrôle de rondelle. Acheter. Et voilà, on n'a plus de points. Toujours 78 overall pour Thomas Roxon. Je sais que je peux faire les entraînements à chaque dimanche. Mais là, c'est le premier match de cette troisième saison. Dernière année de contrat pour Thomas Roxon. Donc, il faut tout donner. Voir si on reste avec les Ducks ou pas. Et ou sinon, il faut faire les séries. Là, en trois ans, il faut faire les séries. Je vais continuer de faire... Un match par mois avec Thomas Roxon. Match numéro 1 à New York. Première période 2-1. McTavish a marqué le premier but des Ducks, mais Shifley et Wallstrom ont marqué pour les Islanders. Shifley, Tanev... Shifley a eu tout de chapeau. Troy Terry a marqué. Et les Ducks de la se font point vrai 6 à 2 à leur premier match. Ah, c'est de c'est parti, Pedersen, la passe de Rockson. Et là, on ne gênera pas. Troisième année dans la Ligue nationale. Euh, on a montré l'an passé qu'on était capable de scorer des buts, dropper des gars, faire des passes. Et on a changé de coach. Un monsieur grisonnant. On a changé de coach. Et c'est qui qui a une visière rose? C'est qui le Tabarnak? C'est qui qui s'accorlisse de même? Il faudrait de sacrer un peu. Là. Mais quand, Ok, Trevor Zegers face-off, important, puis on peut peut-être sniper, là. Oh, good job. La passe-là, tire oh, bel arrêt de Anton Forsberg. Ce n'est même pas euh, Sorokin dans les filets. lock. La passe vers Brown. Brown, oh, sur le banc, Brown. Oh, ça a passé proche. Au oh, revirement. Donc, on va essayer de jouer de plus à gauche, tenir notre position. La belle passe saisie par Roxon. Pas de pression, dégage-toi zone. Oh, good job. Le, le beau jeu du Zygris, mais pas à la rondelle. Terry a un but euh, dans ce match-là. Je sais pas si ça fait en sorte que j'ai peut-être une passe. On verra chez qui a 3 buts en tout cas. Pelec. Bonne maison en échec sur Pelec, mais on récupère pas le pack. Come on! Zygris. aller changer là, ça fait un bon 40 secondes. Terry! Terry a de l'espace! Terry tente un tir! Le retour. Oh, à la pointe! Le tir à quel block shot! Oh, ça a fait mal par exemple! Roxon! Roxon! Pas d'option là, on me donne pas vraiment l'option de jeu. Là. La passe drivezale. Patterson Un faible tir sur Forsberg. Zigris, la belle passe. Come on, come on, Ah, oh, Roxon. Sur la Oh, good job. Comment Ziggress premier non On récupère la belle pression du premier trio des docks. j'ai l'impression qu'on est les seuls. Le tir. quai, okay! l'arrêt de Forsberg. Un autre excellent tir sur réception. Forsberg avait déjà tout vu. Le bel arrêt de la mythe. Mais le premier trio est clairement le plus menaçant, clairement. Zegris face-off. C'est perdu. Tanev a bien joué. Et Tanev va réussir à sortir, mais pas à la rondelle. Go, 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 go. Ah, calé. Perry qui est encore dans la Ligue nationale. Perry qui n'est qui pas tuable. La belle passe, saisie. Let's go, Roxon. Let's go, Roxon. Roxon. Oh, oh, oh. Pas d'option. Freine. Oh, oh. Oh, oh. Boom. Bang. Let's go. Thomas Roxon! Premier match, premier but. On sait que c'est un franc-tireur dangereux. Low-mit. Low les boys. 1 à 1 pour Thomas Roxon cette saison. Réduit l'écart. Je pense pas qu'on va comeback ce match-là, mais. Pression. Défenseur qui a pas fait une belle job, là. Complètement voilé la vue de son gardien de but. Et Roxon, low-mit. A réussi à se le match n'est pas nécessairement terminé même si même si j'en conviens que ça va être dur de revenir mais à force d'amener des rondelles au filet, on sait jamais l'arrêt ben, de Forsberg là-dessus, est-ce que le coach va nous laisser sur la glace aller chercher une petite pression, ça pourrait pas pire. Bon là coach là, je sais que tu es nouveau, que tu vas implanter peut-être tes bases, ça fait huit fois que tu me parles des bases. Des bases coach. c'est encore au face-off, come on. Drop ça juste un peu en arrière. Ah, il est encore perdu devant. Euh, devant euh, devant c'est quoi son est-il <laughs> Brown! La belle passe de Matthew Boysell maintenant! La passe pure C'est bloqué par Roxon! Qui va continuer le. Bellec, la passe! Va pure lock Frapper Roxon et partout. Dégagement et on s'en va changer. Dump and chase, change up. Un chiffre parfait. Revirement en zone. En zone 9. Drop la puck dans le fond de la zone et c'est réglé. 6-3. Est-ce qu'on a un petit but pour je sais pas? Un but des Islanders, 7 à 3 John Gibson S'est fait Se fait Ouvrir Oh s'échappe Oh quel arrêt Du gardien là Quel arrêt de Forsberg Qui lui fait un excellent travail Zegres A oh, pas de tir Là Le retour Quel arrêt de Forsberg Qui fait un excellent travail Miltika va un tir bloqué Et On a la pression totale là. La passe Oh 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 oh, oh J'suis dans la merde. Quel mauvais passe là On m'a tellement mis dans la sauce Tanev Belle pression, c'est Forsberg. Tente de remettre la rondelle, le faire remettre ça directement dans son filet. Donc, les Ducks donnent Encore le premier trio qui met énormément de pression, mais 7 buts au premier match. 7 buts contre. Ok, Zegris, face off. Come on. Ah, il gagne pas un face off. Terry, bonne maison en échec, ça sort pas de la zone. Boom, le retour. Terry n'a pas réussi à tirer. Et bon, Arvat va réussir à semi-sortir de la zone. Non, good job, Zigris. Finalement, va facilement, va sortir. Va catter une coupe, pas au centre, mon ami. Ben non. J'ai accroché le bouton de la manette qui donne un coup de coude. Et c'est 7 à 3. Et on s'en va en désavantage numérique. Quelle mauvaise pénalité pour Roxton. C'était crissement pas... Un coup de coude. C'était surtout pas voulu. Wallstrom. La passe vers Caton. Prise 2. Oh J'ai failli dévisser Caton. Il l'a évité. Perry. Caton tire. Faiblement bloqué. Pedersen récupère. Et Pedersen décide de prendre son temps. La passe vers Mintukiar. Vers Strom. Strom. Vers Roxon. Tente un tir. My god. Ça a raté de beaucoup. J'ai tenté de surprendre dans le haut du net. Ziggurus. Oh la belle passe. Oh Roxon. Oh. On reste sur la glace. Zegris pire la mise en jeu encore une fois devant Matthew Barzel. Brown il va d'un dégagement. Et de toute façon, là, on est pas mal en mode on finit le match. Là, sans histoire. Zegris, la passe vers Thomas Ruxon. On est à l'arrêt du côté des joueurs des, euh, des Islanders, mais c'était pour m'arrêter. Allen bleu. Shifley frappé. Shifley qui a déjà 3 buts ce soir. Oli Mata. Mata. pire la rondelle. A... C'est exactement ça que j'ai dit quand j'ai vu notre équipe. La défensive. La défensive, ça fait pitié. Buzzle. bousculé par Roxon. Mais là, on se fait. Une des rares faux, le premier trio se fait dominer. La passe. Il faut que je réussisse à domper le puck dans le fond. There we go. J'me... Oh non Thomas Roxon Oh non Thomas Roxon qui s'était blessé lors du dernier match de la saison régulière a eu tout l'été pour se remettre. Et là, c'est Connor Brown qui est allé frapper Thomas Roxon qui est au sol et qui bouge pas. Là, c'est clair en esti que j'ai été blessé. Là. Oh my god! Thomas Roxon blessé. Au premier match de la saison. Et ça semblait pas être une blessure mineure, là. Ié, <laughs> je suis blessé, Estie. Pourquoi tu me montes à arriver dans le vestiaire Je suis blessé. Je me tenais la tête. Je me suis fait dévisser par Connor Brown. J'ai pas d'affaire à me faire parler par le coach. Logique, Ié. La logique. Thomas Roxon est blessé. Qu'est-ce que ça va donner parce qu'on avait un but en un match, on avait quand même bien débuté sur le point personnel, pas équipe. Hein? On avait bien débuté notre saison, mais là, on est blessé. On est là, encore une fois, Roxon. Oh non, ce n'est pas Roxon, c'est Trevor Zegris. Un but moins un. Et là, qu'est-ce que ça va être On est blessé, est-ce qu'on va se faire jaser Est-ce qu'on va se faire dire combien de temps Non. On n'a aucune idée. Euh. Non. On n'a aucune idée quand est-ce que la blessure va prendre fin. On n'a pas de nouvelles. Je pense pas qu'il y a de moyen d'aller voir. McTavish est rendu sur le premier trio. Roxon est là, mais. On n'a absolument aucune idée de qu'est-ce qu'on a. C'est notre biopro, là. Aucune idée de qu'est-ce qu'on qu qu a, pourquoi on est blessé. Euh, objectif, non. Non, avancer. Pff, OK. On va juste avancer. Thomas Roxon est blessé. Probablement à la tête, là, une commotion. Ça semblait être ça. On va simuler le match contre les Flames de Calgary. Donc, deux victoires au moins, 2-1-3-1 la, avec l'absence de Thomas Roxon. Est-ce qu'on est de retour? Toujours pas. Thomas Roxon est toujours blessé. À date, on a manqué deux matchs. On continue pour une semaine. Défaite en prolongation. Défaite 7 à 4. Défaite 3-0. Les docks ne semblent pas être une, une, une force de la Ligue. Thomas Roxon est encore blessé. What? Wow! Quelle mauvaise nouvelle pour les Dogs d'Anaheim. C'est sûr que perdre son, son, son marqueur de but, ça fait mal. Contre les Panthers, défaite. On est 3-5-1. Ça va pas bien pour les Dogs, Toujours blessé. On s'en vient là, dans une. On arrive dans une blessure quasiment là, qui va avoir duré un mois. Et on perd des matchs. Et on perd des matchs. 3-2-7-2. 3-2-3-8-1. Pour les Dogs d'Anaheim qui sont au fond. Du classement Thomas Roxon, quelle blessure importante qui, qui met un terme à une de ses de ces dernières saisons de développement, le 7-4 de la défaite. 5-1, victoire de 2-0, 5-1 les deux. Asti qu'on est poche. On est toujours blessé! C'est quoi la blessure? Ah si! Prochain match contre le Canadien, on va avoir passé presque deux mois sur la touche. Et les Dogs d'Anaem sont mauvais! Oh my God! On est toujours blessé. On est toujours blessé, on est toujours blessé, on est toujours blessé. C'est-tu la fin de ma carrière? C'est-tu la fin de la carrière de, de Thomas Roxon? Les dogs on a combien de défaites? De suite? Un, deux... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a perdu nos 14, 14 matchs sur les 15 derniers. Calvert, Blackhawks, défaite. Highlanders, défaite. Et le coach vient nous jaser. Est-ce que ça veut dire qu'on est de retour? Roxford, j'ai rarement assisté à du hockey d'aussi mauvaise qualité. J'aimerais que tu. Re... Cousin, j'ai été blessé pendant deux mois! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, cousin? J'ai été blessé deux mois! Hostie, c'est quoi le rapport avec du hockey? Tu veux je me redresse de quoi? Je veux bien me redresser! Je suis blessé! Est-ce que. Conversation. Bon, on doit être revenu parce que là, les gens nous parlent. Au sujet de l'adversaire du jour, les Canucks, quelle est l'importance des confrontations avec l'équipe de la même division? On va avec la marque. Marqué un point lors du prochain match. Donc, je crois que Thomas Roxon est revenu de sa blessure. De quoi Deux mois d'absence Pratiquement deux mois d'absence C'est terrible. Effectivement, Thomas Roxon est de retour avec les Ducks d'Anaheim. Un point en un match pour le, le, le jeune de 25 ans qui veut encore prouver qu'il qu peut faire la, la job dans la Ligue nationale. On a manqué 24 games. 24 games sur 80. C'est dégueulasse. Quelle blessure mortelle pour Thomas Rockson. On est de retour quand même là, sur le premier trio avec Zigris et Terry. Je veux voir s'il y a des changements à la formation. Carliso! Desmond Carliso! Un jeune enfin! On fait confiance aux jeunes. Attaquant Top 6, 18 ans, a été repêché 12e l'an passé, je pense. Pour l'instant, c'est ça. Patterson, Drysdale, Lacombe, OK, parfait. Les gardiens de but, c'est toujours Gibson et Luca Dastor. Avant de faire le, le dernier match de cet épisode, parce que oui, on va en jouer juste deux cette, cet épisode-ci. Je veux pas que l'épisode soit trop long. Je vais aller voir les stats et notre équipe High Je veux voir si on a des jeunes qui s'en viennent dans le futur ou si je dois peut-être regarder déjà pour aller ailleurs. Hey, ça, my God, ça fait pitié. Euh, High bon. On a ce joueur là, 20 à 71 overall, c'est bon. Ryan, Suzuki, buff, burner, docker, on aurait pu le faire jouer. Zelwigger pourri en bas. Blum, non. Euh, Attacker top 9, bon. Nathan Gaucher, non. Non. Sarah Linen, non. Ben, non, personne. Warner. Wiener, non. Peterson, non plus. Honey. On peut y aller comme ça là. Div top 4, Div Top 4. On a Luno. Warren. Mais on a personne. À moins que les joueurs soient dans le junior, on a personne et on a Jake Allen en bas avec ça. <laughs> What the f c'est quoi ça? Comment? <laughs> le backup! Le, le, les deux gardiens des, du club école des Ducks, c'est les deux gardiens actuels du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que c'est ça, ta barbain? On a fait une trade avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'on a fait une trade avec le Canadien de Montréal pour aller chercher Allen et Montembeau pour les faire jouer en bas? Dak Suzuki. D'Allen! C'est avec le Canadien. Forestling, Sean Farrell, Slav, Benson, Roy. Newhook Matheson. À date, je vois personne des docks. Hein? À date, je vois personne. Personne. À part Stollers. Allen et Montembeau sont nos deux gardiens. C'est bon. Donc, premier match! Depuis le retour de 24 matchs d'absence de Thomas Roxon, c'est son deuxième match de l'année. Première période, 1-0 Troy Terry. Deuxième période, 1-1 Connor Garland. Donc depuis le retour de, de Thomas Roxon, déjà on voit que ça stabilise l'équipe 1-1. On peut aller chercher ce match-là. On est à Vancouver. Thomas Roxon est de retour après une absence. De 24 matchs. Et je me souviens, j'étais brûlé. Je m'étais fait dévisser par Connor Brown. Donc là, quand on est brûlé, on va faire attention. Joe Droin, qui est avec les Canucks de Vancouver. Let's go, Thomas Roxon. On va voir comment il répond là, à la suite du retour de Blessure. Terry par la Patrick, il va le retirer. Bloqué. Dante Heinen frappé. Thomas Roxon montre qu'il est encore capable de brasser. Là. La passe, Terry. Terry. La belle passe, Thomas Roxon. Déjà en échappé. Oh my god, quelle histoire ça aurait été! Carrier! Bang! Frappé par Thomas Roxxon. On est partout là! On est partout! Oh, let's go! Let's go! Let's go! Ça nous met dans le bain là! Come on, come on! Go, 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 go! Bang! C'est quoi? Il a frappé notre défenseur? Impossible, Ethan Impossible! On revient! On revient! On revient dans la saison avec un échappé, une bonne chance de marquer. Welcome back, Thomas Roxon. Et c'est Ethan Bear qui se mange d'une volée. <laughs> Thomas Roxon is back. Let's go. Deux bonnes maisons en échec, un échappé et un dévissage de gueule. Mais t'as pas le droit de faire ça, Thomas. Thomas Roxon, t'as pas le droit. De sortir du bal de pénalité pour aller jaser avec ton coach, Carlis, t'as pas loin de faire ça! On va se manger un autre 10 minutes d'inconduite de partie. Le coach qui m'a qui vient me parler après m'avoir dit dans son bureau que c'était le pire qu'il avait vu de sa vie. Un peu chiant. 12 minutes, toujours 1 à 1, donc la bagarre qui a pas eu nécessairement d'incidence sur le match. Les docks ont perdu leurs 10 derniers matchs donc ça serait le fun d'aller chercher une petite win. Holy Mata, la passe, Ziggurus, belle passe, 2 contre 1, Roxon et Terry, ah oh, la passe qui s'est pas rendue malheureusement. Ziggurus, premier sur la rondelle, la passe, le tir bloqué, Terry, Ziggurus, come on! Oh, Bonne maison en échec sur Ethan je crois. Ethan Bear tente de venir se venger, c'est Ziggurus pas la rondelle, et c'est Joe Drouin qui remet vers Mikhaev. Mikheev tente de passer à travers Roxon, c'est quand même facilement réussi, et c'est Ball. Non, c'était pas Bear, c'était Ball. Le tir bloqué. Le retour. Bel arrêt de John Gibson là-dessus, c'était pas facile. Et on va aller changer là. Je veux pas être brûlé. Et Troy Terry a de l'espace. La passe. Le tir bloqué. Par le gardien Demko. Un bon tir de Pavel. Mint. Fah! Non! Penelson a marqué sur Gibson. Faux comeback. Faux comeback. Faux comeback. Zigris. On peut pas perdre 11 matchs de suite. Là. Là, oh, oh 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 oh! Philippe O'Reilly. Ronek, la belle passe vers Oglander qui euh, contre-attaque. Il n'y a pas de tir au net. Good job, beau repli de Roxon. La longue passe. Go, 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 go. Coupe au centre. Dangereux, coupe au centre demain, mais c'est malade. Zigris. Zigris, la passe. Roxon, tirant, bloqué par le défenseur. Je ne sais pas c'était qui devait le net. Hughes, Van Nolan, probablement Patrick. Les Ducks sont à la recherche d'une première victoire en plusieurs matchs. Zigris, belle passe. Low shot. Il n'y a pas eu de rebound. Zigguris récupère la passe. Roxon, deux fois. Quel arrêt de Thatcher Demco qui a décidé. Là, oh, Terry Let's go Tie game Troy, le capitaine. Terry Let's go Deuxième but ce soir, dixième de la saison. Un bon travail de Thomas Roxon dans le fond de la zone. Et je sais pas si j'ai eu une assistance là-dessus, mais Troy Terry, 5-0 sur Thatcher Demko. Yes, yes, yes. 2 minutes 49 secondes, let's go. La saison est probablement déjà finie parce qu'on a tellement de défaites, mais au moins on peut prouver notre valeur et peut-être aller chercher un, un bon contrat l'an prochain. Fowler, belle passe. Oh, 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 belle fight, belle fight! Raw! Quel arrêt sur Roxon Je tentais de le battre dans le haut du net, ça n'a pas marché. 2 minutes 20, Ronek a de l'espace. La belle passe vers Quinn Hughes. Trop rapide pour moi là. Quinn s'amène. La belle passe vers Joe Droin. Le tir bloqué, il n'y a pas de retour. Good job Cam Fowler, la belle passe. Zigris, go, go 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 go. Je drive le net, je drive le net. Shut au net, shot au net, net, Come on! Trop de passes les boys, trop de passes. On ramène ça simple là. Amène les pas au net au revirement, Non. Au revirement. Et là, c'est le temps d'aller changer. 1 minute 45 secondes. Ça faisait déjà une couple de secondes qu'on était là. Come on. J'espère qu'il a pas scoré sur le tir. Là. Et on s'en va en prolongation, ok! Premier match depuis le retour de Thompson. D'une absence de 24 parties. Pourquoi j'ai dit Thompson? Je voulais dire Roxon. Terry a deux buts, 3 tirs. Connor Garland a un but une passe. Et Roxon a une passe certaine. Et on joue avec Trevor Zegris et Jamie Drysdale en prolongation. Le coach nous fait confiance, veut nous remettre dans le bain direct. Et on est à un but d'un tour de chapeau à la Gordiao. Miller, par exemple, il faut faire attention. Miller, il a pris la passée. Oh. oh, 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 go, 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 go. Ah, go. dommage. Pas de deux minutes, pas de deux minutes. Quinn Hughes, j'ai Quinn en haut. La belle passe vers Peterson. Patterson qui a de l'espace. La passe à Hughes. Là, il n'y a pas de tir. Il n'y a pas de tir au net. Good job. Quinn News derrière les filet. Pas la rondelle. Oh, oh, oh. attention, tension. Good save. Redonne, 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 redonne. OK. Let's go. C'est à notre tour. Zygris est seul. La belle passe. Trevor Zigris. Zigris. Oh, quel jeu de Quinn News et la contre-attaque de Hughes avec Pedersen. Quinn News. Frappé. Non. Réussi. Oh, quel arrêt de Gibson. Redonne le puck. On est reparti. Zigris, Un contre un. Trevor Zigris Bel arrêt sur le tir. Oh. Non, 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 faut pas que je perds l'époque. Drysdale, Drysdale. Père la rondelle, c'était pas un bon jeu, ça. Miller, good job. Faudra aller changer, Drysdale, la longue passe. Saisi, on a, on a de l'espace. Th Thompson, oh, arrête, ça passe. Comment Drysdale, donne-moi une meilleure option. Drysdale, option de passe. Tire bloqué. C'est Terry, la passe de Roxon. Ça fait 1 minute 10 qu'on est là. Roxon, la passe. Drysdale, Terry, la passe ratée. Still, il oh, y a pas de sortie de zone. Quel poke check. Try tente un tir. Terry. Terry récupère la passe devant. Le tir. il oh, n'y aura pas de tir au filet. Quel block shot. Faut y retourner. Faut... Oh, attention. Ok, ok. Go, 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 go. Go, Terry. Go, Terry. On ne change pas. On veut le but. Patterson. Oh, mauvaise passe. Steel. Rate sa passe. Ce sera dégagement. Non. Pas fusée. La passe à la pointe. Ronek. Le retour. Quel arrêt de Gibson. Et freeze le puck. Freeze le My god, quelle période de prolongation! Là. 39 secondes, le coach nous refait confiance malgré notre longue présence. Still, son tir, il vient pas et on est parti. On est parti, met même passe! Thomas Roxon, presque seul devant Hughes. Roxon, la feinte, un peu inutile. Oh, le Michigan, on le fait, on le fait. Thomas, oh my god, Still qui, a f qui nous a <laughs> empêché. Oh. Oh non, oh non, oh non, Mikheev, ça être seul. Mikheev, la faute, le tir et le but. Oh non! Thomas Roxon a voulu show off des skills qu'il n'avait pas et Mikheev a marqué le but qui fait très mal. Ouch! On a eu nos chances en prolongation, c'est pas qu'on n'a pas eu nos chances pour vrai. On mérite pas de la gagner. Si tu veux faire le Kaki puis aller faire un Michigan, t'es mieux de le réussir. Ou sinon, tu mérites de te faire bin un but de même. Ah, oh, fuck. On a encore perdu même. On a encore perdu. Les Dogs d'Anaheim sont la risée de la Ligue nationale, comme les Sharks cette année. On a quoi Un but, euh, une passe, six lancés, six mises en échec pour un petit 14 minutes de Tadger. C'est pas si mal, c'est pas parfait. On a quand même deux points en deux matchs dans cette saison là. Le prochain match, on va affronter les Blackhawks de Chicago et Connor Bedard. 11-22-2, 22-4 euh, pour les Dogs de Pour vrai, Ça fait pitié 6 points en 13 matchs pour Thomas Roxton. 5 buts, une passe, ça va pas bien. On a une nouvelle aptitude de débloquer au moins pour Thomas Roxton, pour l'aider un petit peu. J'ai pas l'impression.. Non c'est ça, on ne l'a pas déverrouillé, mais on a quand même Point X-Factors, on est à 2 points sur 3 Fait qu'il faudrait aller chercher. Faudrait aller acheter si on peut. Avec 598 000, Faudrait aller acheter des points x factor Oh, point x factor 2. Est-ce qu'on a un autre, non? Point 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 X factor. Oh, point X Factors 1. point insuffisant suffisant fac. On continue, point X-Factors, point, et, 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 non, toujours pas, toujours pas, point X-Factors, okay, c'est juste qu'on a passé. clairement, c'est parce qu'on a pas assez de cash, là, c'est si on a pas de, de cash, mais dans pas très long, on devrait être en mesure d'acheter des points X-Factors pour aller chercher un autre euh, X-Factors dans notre, pour notre joueur, bon, that's it pour les ducks honnêtement. Je sais pas si j'ai envie de re-signer avec les Dogs dans la même l'an prochain. Belle équipe, mais on va nulle part. Pire saison. Roxon joue avec des bons joueurs, mais j'ai l'impression que ça ferait peut-être du bien d'aller avec une équipe qui gagne. Dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de monde la prochaine. Ciao bye!